entre gens de foi différents,
Zacharie. Ici, on y voit vraiment l'œuvre de Dieu dans l'univers, dans nos frères et sœurs, dans notre vie, dans notre humble personne. Nous sentons que le Seigneur est là. Dans notre monde, il y a tant de difficultés, tant de tensions, tant de guerres, tant de problèmes, mais le Seigneur est là. Pour nous, chrétiens, croyants, nous sentons que le Seigneur est dans notre monde aujourd'hui, comme il l'a été et il le restera. Le Seigneur est avec nous, on dit tout le temps à la messe. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est parmi nous. Il suffit de croire vraiment dans cette présence du Seigneur. Et si le Seigneur est là, nous sommes capables de faire tout ce que nous croyons que nous ne sommes pas capables de faire. Et surtout, l'unité entre nous. Le Seigneur a prié pour que nous soyons un. Pour que nous soyons un témoignage vivant de sa parole et de sa vie. Le Seigneur Jésus a été lui-même le symbole de l'unité au sein de l'Église, de la première Église au sein de ce monde. Et nous, nous devons être un témoignage de cette unité. Parfois, nous regardons dans les nouvelles, dans les journaux, nous ne parlons que de zizanie, nous ne parlons que de guerre, que de division, alors que nous oublions qu'il y a beaucoup d'actes de foi, de charité, d'unité qui se font autour de nous. Ces gens qui prient tout le temps pour l'amour, pour que l'amour règne entre les hommes. Ces gens qui prient pour qu'il y ait toujours une unité. Ces gens qui prient pour que la paix règne dans le monde. Combien d'organisations chrétiennes et catholiques il y a dans le monde qui prient dans ce but, qui se joignent, qui s'unifient, qui collaborent vraiment dans l'œuvre du salut du monde. Combien de personnes sont là au service les uns des autres pour qu'ils puissent rendre témoignage de la présence de Dieu. Et quand Dieu est là, tout est un. Saint Paul, dans sa lettre, nous a dit ce soir que nous n'avons qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi. Si nous nous contentons de vivre notre vie chrétienne, à quelque communauté que nous soyons, à quelque communauté que nous appartenions, tout simplement venir à la messe une fois par semaine, porter une croix, dire que nous sommes chrétiens, cela ne suffit pas. Il faudrait vivre à chaque moment, à chaque jour, cette présence du Seigneur, de son Esprit en nous, notre unité en tant que fils du Père, et par là essayer d'aimer chaque personne comme frère et comme sœur que le Seigneur a mis sur notre route pour nous apprendre le vrai amour, pour nous apprendre la vraie vie dans l'Esprit, pour que nous soyons tous un, comme lui et le Père sont un. Je crois que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont prié à cette intention, l'intention de l'unité des Églises. Il faut croire que nous, nous ne faisons pas, nous ne pouvons pas faire l'unité de l'Église. C'est Dieu seul qui peut la faire. Mais à travers nous, si nous nous prions pour que les Églises soient un, cette prière va nous être rendue au début comme
grâce pour nous d'être unis dans notre vie, dans notre être profond et avec tous nos frères. Et peut-être cette prière va aider les responsables des églises différentes de vivre cette unité pour eux tous qui communient à la parole du Seigneur qui est une et à son corps et à son sang. Il faut que nous prions tous les jours dans ce but. Et je crois, même avec notre pauvre prière, le monde sera changé. Nos églises seront unies, même s'ils sont de traditions différentes. L'unité commence entre nous, ici présents. L'unité commence entre moi et le plus proche des gens, qu'ils soient de ma communauté ou d'une autre communauté. C'est pourquoi ce soir, je vous invite, puisque, comme dit Saint-Exupéry, l'essentiel n'a pas de poids, il est invisible. Prions même si nous ne sentons pas que l'unité arrive. Prions parce que nous croyons que l'unité va arriver. Prions parce que nous croyons en Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Dieu. Prions parce que nous sommes capables dans notre monde d'être un témoignage de cette prière de Jésus que nous avons entendue ce soir. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de dire au monde qu'il a besoin de cette unité, de cette présence continuelle du Christ. Que le Seigneur est là, que l'Esprit de Dieu continue à travailler dans les églises. Et nous voyons à la fin de ce siècle qu'il y a beaucoup de contacts, beaucoup de travail communique entre les églises, entre des représentants de différentes religions du monde, qui se regroupent et prient ensemble, même s'ils sont de traditions et de foi différentes. C'est pourquoi ce soir, je vous invite à prier tout simplement. Quand on pense à Notre-Dame de Soufali, souvent nos esprits vont dans les expressions extérieures, vont vers l'huile, qui est un symbole, un signe. Notre esprit va vers des personnes qui sont un témoignage dans notre communauté. Mais ce soir, nous allons prier seulement par notre foi, par notre amour du Seigneur et de son désir de nous voir tous unis dans une même église, ayant un même Seigneur et Sauveur. Qui tire le feu.